C'est un immense plaisir de vous accueillir à notre seconde édition des Jeudis Citoyenneté, leur vocation est de ne pas être à usage unique, mais bien d'ouvrir le dialogue pour consolider le socle de nos valeurs communes et d'encourager de nouvelles initiatives citoyennes pour un bien vivre ensemble. C'était une bonne conférence. Vous reviendrez à la prochaine, du coup. Voilà, je reviendrai. J'ai appris plein de choses, en fait. L'importance de cette soirée, c'est effectivement de sensibiliser des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et je pense qu'ils en retiendront un minimum pour savoir qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir devant eux pour effectivement qu'on leur vienne en aide. Il est très important de pouvoir connaître nos partenaires pour pouvoir bien travailler avec eux et pour que nous puissions, nous, bien orienter les personnes que l'on accompagne chaque jour. On va continuer à travailler, effectivement, sur cette question qui est vraiment une question essentielle des violences intrafamiliales. On est dans un endroit tout bonnement un amphithéâtre, ça peut être accessible à tout le monde et on peut quelque part un peu aller se cacher dans un coin pour se dire « Ok, j'ai besoin d'infos, mais j'ose pas aller les demander, peut-être qu'aujourd'hui j'aurai mes infos. » Je suis certain que ça va contribuer à ce que les personnes qui ont besoin de la justice aillent lui demander de l'aide. Nous, c'est ce qu'on veut, on veut que les personnes se manifestent auprès de nous. On ne peut pas protéger les gens si elles ne font pas cette démarche.